Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, enfin, les KVK sont lancés sur les anciens royaumes, y compris sur le 1256. On va également voir cette fameuse pub. Est-ce que les Spartas sont bien là? Mais avant cela, les amis, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Vous pouvez même tabasser les pouces bleus si vous le voulez déjà. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. On éclate tout là-bas également. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Là-bas à droite sur l'overlay. Blablabla. Vous connaissez ça par cœur. Les amis, à présent, je vous aurais bien lâché un petit wesh wesh canapèche, mais on va dire que je suis un plagiat. Donc les amis, allons sur ce nouveau KVK, mais avant cela, regardons les events sur le calendrier. Rien de particulier, la roue de la chance, n'oubliez pas, la roue de la chance, c'est le dernier jour, 18h06 et 35 secondes très précisément. Allez jusqu'à 10 tours, vous le voyez, il me reste juste un tour. Est-ce que je vais vous refaire un petit tirage aussi moisi qu'hier? On va voir ça tout de suite, j'ai pas fait mon tour gratuit pour le moment, je le lance. Et j'ai du bois, magnifique le bois. Allez, je vais vous faire un petit tour à 50%. J'espère quand même réussir à avoir les étoiles, hein, parce que des étoiles, ça fait au moins 24 heures que j'en ai pas eu, donc je suis en PLS. Ah non, des accélérateurs de training, ça pour le coup, ça va être utile, même si à 400 gemmes, j'aurais bien évidemment préféré avoir 8 sculptures. Alors, j'irai pas chercher les 25 offres, pourquoi? Enfin, du moins les 25 tours. Tout simplement car je préfère garder mes gemmes pour le plus que des gemmes. Et rien d'autre, toujours le plus grand gouverneur actuellement, c'est amélioration de puissance. Je suis toujours à ma place ou pas, toujours à ma place, 11e. Ma place est 14e, donc c'est bon, ça devrait le faire sans problème. Le KVK, comme je vous l'ai dit, les amis, a enfin commencé sur un grand nombre de royaumes, sur les plus anciens. Des royaumes, vous le voyez, je clique tout de suite dessus à la veille de la croisade. On est sur l'étape 1 pour ceux qui ont dormi pendant 6 mois. Je vous le rappelle, les 3 premières étapes durent à présent 2 jours. C'était 3 jours avant. La première étape, il va falloir tabasser du barbare, hein, du maraudeur à la chaîne. Pas du barbare, du maraudeur. Et vous le voyez, contre qui nous nous retrouvons? Il n'y a que 4 royaumes sur mon héroïque anthème. Pas de royaume en plus. Le 1916 de Dragocien, le 1258 de je ne sais pas qui, le 1256, donc nous-mêmes, et le 1365 des JST. Cette alliance énorme de Coréens, un royaume qui a battu au précédent KVK, le 1254 de Bunny, donc un royaume énormissime avec des vrais fighters. Regardons la disposition. Ce qui m'inquiète, c'est que je nous vois encore en feu et donc je me dis, si on est encore en feu, on est considéré comme le plus puissant. Et effectivement, regardez cette carte. Hein. Merci à Vess, à Kevin, hein, même si ce n'est pas lui qui a fait la carte. Merci pour cette carte, de me l'avoir partagée. Regardez, ça se trouve, c'est lui qui l'a fait d'ailleurs, Kevin. Enfin, pas la carte, mais d'avoir mis tout simplement les numéros. Pour une fois, les calculs seront bons, Kevin. On est en haut à gauche, encore en feu. Donc normalement, d'après Lilith, le 1256 est le royaume le plus puissant sur le papier de KVK. Alors là, franchement, ça m'étonne parce que quand je vois la puissance du 1916 et la puissance du 1365, me dire que le 1916 est considéré comme moins puissant que nous et le 1365 aussi. Donc normalement, quand Lilith respecte l'ordre sur l'héroïque anthème, le plus puissant est en haut à gauche, le deuxième plus puissant est en bas à droite. Donc le 1365 est considéré comme le deuxième plus puissant, le troisième plus puissant, le 1916 en haut à droite et le moins puissant, le 1258 en bas à gauche. On a récupéré les stats, encore une fois, Kevin, de tous ces royaumes. Et regardez, c'est pour ça que je suis sceptique quand même, mais si le matchmaking a été fait comme ça, c'est que sur le moment où ça a été fait, on était considéré par le matchmaking de Lilith comme les plus puissants. Regardez donc ce classement de puissance. En termes de puissance intrinsèque, juste la puissance du top 300, eh bien le 1365 est devant nous avec 28 643 600 165.
C'est énorme. On est juste derrière, 320 millions derrière, à 28 milliards, 323 millions. Le 1258 est un petit peu plus bas. Avant cela, il y a le 1916 à 26 milliards, 226 millions. Et encore un milliard derrière, le 1258, donc à 25 milliards, 368 millions. Vous le voyez, hein, les dates, c'est du 10 octobre pour le 1916, du 10 octobre, n'importe quoi, du 2 octobre pour le 1916, du 7 octobre pour le 1258 et du 10 octobre pour nous et le 1365. Le top T4, T5 kill, le 1365 est largement devant à 525 milliards, nous 376 milliards et les deux autres royaumes entre 200 et 250 milliards. Le top T4 kill, même classement, même si l'écart entre le 58 et le 16 se creuse en faveur du 16. Le T5 kill, pareil, hein, toujours le même ordre avec le 1258 qui passe légèrement devant le 1916 sur ce classement. Mais vous le voyez, hein, c'est du simple au double ou au triple entre nous, le 1365 et les deux autres royaumes. Pour finir, le nombre de troupes mortes, pratiquement 4 milliards pour le 1365, pratiquement 3 milliards pour nous, et autour des 2 milliards 100, 2 milliards 200 pour le 1258 et le 1916. Donc, on le voit, on est sur le papier là pour le coup. Très bien positionné, mais le 1365 est sur le papier plus puissant que nous, du moins d'après ces stats-là. Donc vraiment étonnant que le 1365 n'ait pas été en camp feu et nous, donc, à l'opposé, tout simplement en camp vent. Voilà pour ces stats. Est-ce que ça fait flipper? Oui, sachant qu'en plus, Drago, sur le 1916, durant son dernier live, a dit qu'il souhaiterait être en alliance avec le 1365. Alors, si le 1365 est en alliance avec le 1916, franchement, ça va être extrêmement difficile de gagner. Pas impossible, rien n'est impossible pour le coup, mais très difficile, même si le 1258 est un royaume énormissime. Regardez, si je dézoome et je vous montre sur mon KVK qui est justement Imperium, le 1365 et nous-mêmes sommes les deux royaumes Imperium, le 1916 et le 1258, non. Donc, franchement, l'équilibre voudrait que nous soyons alliés au 1916 et le 365 au 258. Alors certains vont dire, ben non, si t'es le plus puissant, faut que tu sois avec le moins puissant, donc le 258. Là, pour le coup, ça serait moins équilibré. Le 1365 est un royaume énorme. Il pourrait même peut-être gagner, en tout cas, il aurait des chances, même à 3 contre 1, s'il est aussi performant, même s'il y a eu des migrations. Hein. Shawnee a migré, il me semble. Zexangbot, c'est sûr, même s'il a encore un compte à plus de 100 millions sur ce serveur, son compte principal est parti sur le 1846. Donc, non, ça va être très, très tendu ce KVK, les amis. Les maraudeurs, on n'a pas encore reçu. Alors, je vérifie en même temps que je vous parle. Hein. J'ai pas encore reçu deux consignes par mail pour les maraudeurs. Hein. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. On a un mail déjà là pour nous motiver. Mais on va voir pour les maraudeurs, enfin les maraudeurs à la veille de la croisade, l'étape 1. Ça va être très tendu. En plus, j'ai pas énormément de temps sur ces 2 jours pour les faire. Mais je vais tout donner comme d'habitude, les amis. Vous pouvez en être certains. On va revenir à présent, les amis, sur cette pub et cette civilisation Sparta, puisque magnifique, l'un d'entre vous m'a record la pub. Alors, ce n'est pas moi qui les record, hein. Bien évidemment, c'est The Ring. Merci à toi de l'avoir record et de me l'avoir envoyé. Je vais pouvoir vous montrer cette fameuse civilisation Sparta dans la pub rock, hein. Donc, attention, rock, romance de ouf. Regardez donc cette pub, on va y revenir après, mais déjà on le voit. Alors, bon, ok, la pub, elle est éclatée, éclataxe au sous-sol, je vous l'accorde. Hein. Le mec joue extrêmement mal, hein, il n'y a pas de souci. Et regardez, il s'arrête sur les Spartas, il dit les Spartas et on dirait qu'on lui impose des Vikings. Donc, déjà, là, c'est totalement éclaté de faire ça. C'est pas du tout le jeu, c'est les pubs Lilith. On est habitué à ça. Mais on a bien vu, hein, il y a bien eu les civilisations Sparta. Elle est bien dans les choix. Il ne revient pas après dessus, excepté sur cette carte. Hein. On le voit, les Vikings attaquent les Spartas en passant par la mer en plus. Donc, on a des bateaux. Alors, certains pourraient dire, ah bah oui, bah, s'il y a des bateaux, il va y avoir aussi des bateaux en jeu. Bon, ça, on n'en sait rien. Même si il est vrai que ça avait été annoncé, hein, par lui, donc on devrait en avoir tous les éléments de cette pub devraient être
Véridique, et à terme, on aura à voir encore une fois des flottes navales. C'est comme ça que le jeu est censé évoluer. Regardez, je vous refais un arrêt sur l'image sur cette fameuse civilisation Sparta. Ça donne pas beaucoup d'indices hein, sur comment ça va évoluer, comment ça va être à l'avenir. En tout cas, on peut voir qu'elle est là et il est quasi sûr donc qu'elle pop. Il n'y a jamais eu d'éléments de civilisation à ma connaissance dans le jeu qui ont été mis dans des pubs et qui n'ont pas été vrais, plus ou moins vrais par le passé. Donc, je pense vraiment qu'on va avoir une annonce de cette civilisation et je vous l'ai dit, je pariais sur une annonce de patch cette semaine. On va bien voir si j'ai raison, il reste encore 3 jours, sinon ça sera lundi. On a les events, on est le 14, hein. On a les events d'Halloween qui doivent être annoncés. C'est à chaque fois, tous les ans, pareil. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas là. Puis après, on aura Thanksgiving et après, on aura Noël en plus des events donc de l'automne, de l'hiver, etc., etc. On va bien voir, mais ça serait un beau coup d'annoncer cette civilisation-là puisque ça semble fuiter, ça semble arriver, cette information de partout. Les amis, à présent, on va retourner voir ce qu'il en est sur pas mal de KVK et surtout ce qui a pop, vos KVK qui ont pop. Hein. Il va falloir que je me démène pendant un jour, 17h55 minutes et 49 secondes, mais comme vous, pour tous ceux qui ont eu un nouveau KVK, déjà, on le voit, hein. Hop, je vais fermer mon KVK et regardez, on le voit que ça a pop durant la nuit, tous les KVK qui sont en Heroic Anthem, la liste est devenue énormissime. En lutte des 8, beaucoup moins bien évidemment, puisque la plupart des royaumes sont partis en Heroic Anthem. Et quel est le plus gros Heroic Anthem pour le moment, ou du moins, quel est le Heroic Anthem qui regroupe le plus de royaumes Imperium? On le voit sur le mien, il y en a deux. Tout cela hein, où c'est écrit en chinois, je ne sais même pas pourquoi, Kevin, pourquoi tu ne traduis pas ça? Il y a donc tous ces royaumes-là, c'est des royaumes qui viennent de pop, on le voit, le 2100, donc mon KVK, et d'ailleurs le 1258, qui est l'alliance principale, 258X Aria, je ne connais pas du tout hein, ce royaume. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Le 1199, hein, pareil, il n'y a pas d'Imperium. Le 1197, pas d'Imperium. Le 1196, pas d'Imperium. 1195, pareil. 1194, pareil. 1193, oh là là, il y a du peuple là. Regardez combien ils sont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28. Royaume sur le KVK, c'est 1193. 28 royaumes, j'en ai jamais vu autant. Ça, c'est un nouveau record à battre. C'est 1192, un royaume impérium. Le 666, ça aurait été intéressant qu'il soit avec nous, hein, ce royaume, avec les 66 BG. On aurait aimé les avoir. Ça aurait été sympa, on aurait pu être lié avec eux. Ça aurait peut-être été plus équilibré, du moins, ou plus simple. On va bien voir ce que ça va donner. La diplo, et il n'y a pas d'autres royaumes avec... Vous voyez, ils sont que 4, là, comme nous. Il n'y a pas d'autres royaumes avec plus de 2 impériums. Donc, sur le papier, ah, c'est 11, c'est 1, 11, 79, avec le 11, 22 et le 16, 36. On aurait aimé avoir les Hives également. Ça aurait pu être sympa sur notre KVK, même si je suis content hein, du tirage qu'on a. Ça va être tendu. Mais ça va être sympa. Donc, le C1-11-79. Ah non, 8 à 8 jours, pardon. Il a déjà commencé. On a passé les royaumes qui ont commencé. Je vous ai dit une bêtise depuis un certain déjà. Depuis le. On ira les voir d'ailleurs. Ah là 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 là. Je suis descendu trop bas. Depuis le C1-11-89, hein, on a passé. Et donc, on n'aurait pas pu avoir le 636 avec nous. Puisqu'ils sont déjà en KVK. Donc, si on revient hop à ceux qui ont pop. Juste ici, tac, on va fermer ceux qui n'ont pas pop pour le coup. On en a quand même pas mal hein, qui ont pop. Regardez, la liste est assez importante et celui à 28 est bien un nouveau KVK. On va voir ce que ça va donner, les amis, ces nouveaux KVK. On les suivra dès qu'on aura plus de brume parce que pour le moment, on a pas mal de brume et avant 24 jours, on ne pourra pas y aller. On va finir, les amis, avec notre fil rouge du moment, le KVK qu'on suit avec attention, un saison de conquête, le C1-11-83. Je ne vous le présente plus. Avec 8 royaumes pour cette lutte des 8, le 21-10, le plus puissant en haut à gauche, entouré d'alliés. Donc normalement, il n'y aura pas de fight, sauf trahison. 3 royaumes Imperium. Il est à 8 jours, 6 heures, 8 minutes et 45 secondes. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Je vous le rappelle, les portes de niveau 4, les premières zones de fight, ouvrent autour des 9 jours. Donc normalement,
Si on va dessus sur le C1 1183 et qu'on vérifie ça, on devrait avoir les portes qui ouvrent dans 9h, 1 minute et 2 secondes et 1 seconde à présent. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, les portes auront ouvert depuis 1 heure environ. Donc, le bœuf artisan compétent qui permet de construire à 400% sera terminé et on aura les premières zones de fight. Alors, en Zarate et en Lahavan, normalement, pas de baston, ça va être très calme, donc c'est pas là qu'il faut suivre. Si je dis pas de bêtises, c'est de l'autre côté qu'il va falloir suivre, hein, du côté du 79 en Dimboko, donc le deuxième plus gros serveur, et Okuri. C'est là que ça devrait être intéressant. Alors, par côté Okuri, mais si je dis pas de bêtises, cette zone-là, le Dimboko, en Dimboko, ils ne sont pas alliés, donc c'est là que ça va se passer. On pourra suivre aussi de l'autre côté en zone Villa Villa, on va suivre tous ces royaumes. Vous le voyez, de toute façon, c'est simple de savoir où ça va être Tandax et où ça va pas l'être, hein. Regardez au niveau des forteresses. Quand ça place masse forteresse, c'est qu'il va y avoir du jump, de l'attaque et du combat. Quand il n'y a pas masse forteresse, en général, c'est qu'on ne va pas trop se battre sur cette zone-là et qu'on est avec des alliés. C'est comme ça, au-delà des infos que vous me fournissez, que je sais. Donc, ce royaume C1-1183, il va être à suivre à partir de ce soir si vous n'êtes pas en KVK, parce que si vous êtes en KVK, il va falloir vous bouger pour faire du point. Si vous n'êtes pas en KVK, vous pourrez suivre ce KVK. Mais ce n'est pas le seul KVK qu'il va falloir suivre. Rappelez-vous, on a vu plusieurs royaumes de niveau 2. Alors là, pour les portes, il va falloir attendre un petit peu. On est à 5 jours, 6 heures. C'était le premier qu'on avait vu, si je ne dis pas de bêtises. C'était le S1 1040. Les premières portes ouvrent pas tout de suite. Il va falloir encore attendre quelques jours. Et pour les saisons 1, on en a certains aussi qui vont ouvrir dans les jours qui viennent. Je vous le rappelle, le S1 1035, ça a déjà ouvert il y a 12 jours, mais on a le S1 1036 avec le 2163 notamment, qui est un royaume très prometteur qu'il va falloir suivre à présent, les amis. On retourne tout de suite sur le 1256 à présent. Et avant de vous quitter, je vais revenir sur le royaume doré. Vous le voyez, je ne l'ai pas fait, je vais le faire aujourd'hui, 17h47 minutes et 28 secondes. Pour le faire, quand vous verrez cette vidéo, il ne vous restera que quelques heures. Pour ceux qui galèrent, on me l'a redit, je vous invite à aller voir les tutos que j'ai faits. Certains galèrent à cause de leur niveau et d'autres ont donné des tips qui ne fonctionnent pas. Par exemple, j'ai vu certains joueurs qui disent de mettre des troupes moins fortes, des commandants moins forts et on aura un tirage moins fort. Ce n'est pas vrai, je l'ai testé. La puissance du royaume doré est très certainement sans garantie, hein, calculé par rapport, si vous allez dans, c'est dans troupes, c'est dans troupes, c'est dans troupes, non, c'est pas dans troupes, c'est dans plus d'infos. Si vous allez dans plus d'infos, c'est très certainement calculé par rapport à ces infos-là, puissance architecturale, tendu à dire, puissance technologique, puissance de troupes et puissance de commandants. Je pense que c'est ces chiffres-là que Lilith prend, peut-être tous, peut-être certains, pour calculer la puissance. Il serait logique que ça soit puissance architecturale et puissance technologique, puisque les troupes, ça dépend de ce que vous allez investir dans le jeu architectural et technologique. Dès que vous avez les T5, tout le monde a à peu près la même puissance à ce niveau-là. Et je pense que c'est comme ça qu'ils font le calcul du niveau des adversaires en royaume doré et non pas du tout par rapport au commandant que vous allez mettre en face. Donc, ne limitez pas la puissance de ce que vous mettez. Ça ne vous facilitera pas le royaume doré. Je le vois, hein, certains d'entre vous vraiment bloquent. Utilisez la stratégie des troupes fortes, de l'infanterie. Ça marche. Ça permet d'aller au bout, au moins d'atteindre le stage 12-16 assez facilement à chacun de vos essais. Et ne vous trompez pas sur les buffs. Encore une fois, les amis, allez voir mon dernier tuto. Je vous en referai un mise à jour pour le prochain pop de cet event qui est forcément très intéressant en termes de stuff, hein. Ça vous permet d'obtenir des plans et des matériaux très sympas. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.